Bonjour à tous et bienvenue pour le 34e épisode sur Football Manager. On est reparti pour une mission sauvetage et cette fois on est en Norvège à Molde. Donc si on regarde ici, la prévision des médias, c'était de terminer 3e, mais actuellement le club est classé 12e. Là, si on regarde sur le classement qui est ici, on ne les voit même pas. Et en fait, il faut descendre tout en bas. On est 12e, sachant que c'est un championnat à 16 équipes et que, évidemment, les trois dernières descentes. Donc, l'entraîneur s'est fait virer à la mi-saison parce qu'on est actuellement au mois d'août. Donc, pour nous, habituellement, c'était plutôt le début de saison, mais les saisons sont décalées. Et donc, j'ai pu postuler à Molde et j'ai été accepté. Pour vous donner une petite idée, j'ai aussi postulé à Marseille, à la Fiorentina, à Willem II et à Antwerp. J'ai été accepté notamment à Willem II, mais j'ai décidé de décliner pour venir ici. Ça peut être surprenant, mais en fait, en termes de finances, le club est très très intéressant. Si on regarde ici, une valeur estimée à 69 millions d'euros, un solde bancaire à 30 millions d'euros, on a un vrai bon budget pour les transferts. Et en plus, recrutement des jeunes, on est sur du 5 étoiles. Au niveau justement de tous ces jeunes, si on regarde le potentiel ici, on a énormément de joueurs qui sont au moins 4 voire 5 étoiles. Et si on regarde un peu plus précisément, nous avons 22 millions de budget transfert. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu avoir à Casapia, ou je pense dans la majorité des clubs dans lesquels on aurait pu postuler. Un budget salarial de 1,5 million, sachant que pour l'instant, il y a seulement 1 million de consommés. 450 000 euros de budget recherche aussi pour trouver des bons joueurs justement. Alors avant de commencer, on va jeter un petit coup d'œil à la ville et notamment au stade. Première chose déjà qu'on remarque, c'est que le stade est au bord de l'eau. Donc ça, pour se jeter à l'eau dès qu'on veut fêter une victoire, ça va être très pratique, j'ai l'impression, même limite, c'est un peu loin. C'est un peu loin, tenter le saut d'ici. Je pense que ça va être compliqué, il va falloir aller, je pense, un peu sur le remblai ici. Mais bon, voilà, c'est faisable. Beaucoup de parking, hein, beaucoup de parking. Vous allez pouvoir venir vous garer sans trop de soucis. Est-ce que c'est quoi ça ici? Est-ce qu'il y a des restaurants? Je sais pas trop, hein. Ça ressemble quand même un peu à un restaurant avec une vue panoramique. Hein. On verra. Ici, on a quoi? Je pense que ça doit être l'entrée du stade ici. À côté, on a un petit port aussi. La ville est assez... ouais, j'ai l'impression que la ville est sur la longueur. Hein. On a un nouveau port là. C'est une ville qui est vraiment le long de l'eau. Et donc, si on se met, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici là? Une vue du stade, par exemple. Alors, dans le stade, le stade est vide, là, déjà. Le stade est vide, mais le stade est joli. Le stade est couvert, en plus, quand il pleut. Ça, c'est plutôt important. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres... Ah, on a un point ici, là, qui est peut-être intéressant. Ici, on a une salle de spectacle, de conférence. Très bien. Bon, bah, c'est... Voilà, ça peut servir. Est-ce qu'on a un point un peu plus haut, peut-être, ici, là? Ah, ici, j'ai l'impression qu'on a un petit hôtel. Un petit hôtel à côté du stade. Ça aussi, ça peut servir. L'eau a l'air agitée. Bon courage pour quand vous allez plonger, quand même. Hein. Je tiens à vous le dire. Par contre, j'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait des... qu'est-ce qu'on a ici? Qu'il y ait des petits restaurants sympas ou des trucs, là. L'entrée du stade, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Ok, on a le petit port qui est là. On a l'entrée. Bon, bah, rien de bien particulier, j'ai l'impression. Hein. Par contre, c'est très boisé. Ça, c'est joli. C'est plutôt bien. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? On peut aller tout à fait par là-bas. Qu'est-ce qu'on a, là? Et ben là, ça donne sur l'eau. Hein. Nouveau petit parking. Une petite promenade aussi, là, pour aller se balader. Le Hacker Stadium, bon, bah, ça, c'est le nom du stade. Il est torse nu, le monsieur? Non, il est pas torse nu, c'est bon. Eh ben, très bien, un petit phare. C'est très joli, en tout cas. Si vous vous souvenez du stade, à l'époque, on était à Sportsunia Ossintrens, ou encore même à Casapia, je pense que là, au niveau du standing, on n'a pas à se plaindre. On est quand même sur quelque chose de très joli. Au niveau de l'équipe, du coup, je suis reparti sur un 4-5-1, même s'il est un peu modifié. Au niveau des règles de sélection, c'est un peu particulier, parce que ici, ça nous dit qu'il ne faut pas plus de 25 joueurs sous contrat. Alors, ça met à temps partiel ou mieux. Nous, de toute façon, il n'y a que des temps complets. Et il faut au moins 16 joueurs formés en Norvège. Donc, c'est la classique. C'est les 3 ans avant le 21e anniversaire. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'il va falloir respecter. Alors, j'ai déjà fait une offre pour un joueur en la personne de Rasmus Andersen. Donc, c'est un petit jeune. Il est danois. Donc évidemment, je viens de vous parler du fait que j'allais recruter que des Norvégiens, mais là je pense que c'est un joueur qui mérite qu'on le recrute quand même. Il a 18 ans, donc ce que je me dis, c'est que potentiellement il peut faire ses 3 années avant les 21 ans, donc c'est pour ça que je le prends. Accélération 14, agilité 16, vitesse 13, 14 en endurance, 15 en volume de jeu, 16 en finition, 13 en dribble.
Il a aussi 15 ans de détermination et il a à peine 18 ans. Si on arrive à le recruter, mon objectif, ça va être de le faire jouer milieu offensif droit en tant qu'attaquant intérieur et probablement soit de mettre Jou sur le banc, soit de le refaire passer dans l'axe ou de le mettre en concurrence avec Berisha en fonction des performances des deux, parce que le fait qu'il ait quand même 32 ans, ça m'inquiète un peu. Et quand je regarde ses stats, la saison dernière et même les saisons d'avant, il n'avait pas non plus un nombre de buts exceptionnel par rapport au nombre de matchs joués. Alors on va débuter du coup les négociations salariales, titulaires réguliers, oui ça y a pas trop de doute là-dessus. Il demande 28 000, je vais essayer de baisser, je vais surtout essayer de virer les primes. Hein. Prime de but inscrit au bout de 10 buts, lui filer 13 000, ça me gêne pas, 27 000 par mois, je vais proposer 26. Et par contre, je le veux sur 3 ans, je propose, il veut 38, je lui propose 37. 37 ça passe, et ben on accepte, on valide, et je pense que et ben on devrait le recruter. Alors la traditionnelle réunion de présentation aux joueurs, je pense que je vais la jouer en étant plutôt optimiste sur notre classement, parce que le classement attendu c'était quand même 3ème. J'estime que nous avons les moyens de nous qualifier pour l'Europa Conference League, et c'est l'objectif que nous devrions fixer. Ok, donc ils sont plutôt contents, parfait, c'est exactement ce que j'espérais. J'aimerais maintenant de discuter de promesses que je... Oula non, on va pas faire de promesses, juste ils sont contents, ça remonte le moral de tout le monde, c'est très bien. Et notre prochain adversaire, c'est Hassan Football. Hassan Football qui est classé 10ème, mais qui a égalité de points, qui a 22 points aussi. On est à domicile, donc évidemment, on va viser la victoire. Allez, c'est parti, ça c'est notre série, on a qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Hein. J'ai pas montré le calendrier, j'aurais pu, on le regardera après ce match peut-être. Mais les résultats ne sont vraiment pas bons. Et en face, eh ben, c'est pire parce qu'il n'y a, y a aucune victoire, tout simplement, dans les 5 derniers matchs. 3 matchs nuls et 2 défaites. On va passer directement au coup d'envoi. Et ben, première occasion, et du coup, ce sera pour Hassan à la 9e minute de jeu. Oh les noms, déjà, je regrette. Hein. Hansen, Lovic, encore ça va. Koulirakis, Steinset, Francoulino, lui ça va. Holm, ah, c'est déjà perdu, hein, c'est déjà perdu et ça va partir en contre-attaque. Non, c'est récupéré, Liksen. Eriksen, Lovic, Holm. Holm qui va progresser. Côté gauche, qui trouve Tilio. Tilio qui centre au deuxième poteau pour Facoulinho de la tête. C'est vrai que je pourrais l'appeler Jou, c'est plus rapide. Et l'ouverture du score à la 9e minute de jeu. Allez, nouvelle occasion, Lovic. Lovic à la touche pour Holm. Holm qui lui remet. Lovic, non, Tilio. Pop, 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 pop. Facoulinho, Juju. On l'appelait Juju maintenant. Le 2-0 à la 15e minute de jeu. Et je crois que c'est de nouveau tout à fait une passe décisive de Tilio. Et ma première occasion pour Hassan, Fredriksen. Fredriksen qui centre pour Hansen, qui est tout seul. Oh, le marquage de Lovic, là. Il était scandaleux, ce marquage. Il l'a laissé tout seul. Et du coup, réduction du score à la 46e minute de jeu. 2 buts à 1. Et je pense qu'on va rentrer à la mi-temps tout à fait sur ce score de 2 buts à 1. Au niveau de l'expected goal, on est plutôt bien. Hein. On a 5 tirs, 4 cadrés, 0,90, 3 tirs en face, 1 cadré. Au niveau des passes réussies, c'est OK, 90% et 79 et 68-32 possession de balles. Allez, 51e minute de jeu maintenant. Danilo à la touche, Facoulinho. Non, c'est Juju. Faut que je le renomme parce que sinon je verrai pas son nom. Danilo pour Juju. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas... Ouh là 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 là, il se roule par terre, il fait le cinéma. Il fait le cinéma, je pense qu'on va obtenir un pénalty. À la 51e minute de jeu, on va demander l'assistance vidéo, bien sûr. Et ce sera un pénalty. C'est bon, Juju. Tu peux te relever maintenant. Et du coup, ce sera aussi un carton jaune. Et un carton rouge, en fait. Un carton rouge. Ils vont finir le match à 10. Il avait déjà été averti. Eriksen au pénalty. Et c'est arrêté. Il s'appelle Wish, le gardien, non? Wish, non? Tilio qui essaie d'éliminer son adversaire. Il n'y arrive pas. Il se met sur la ligne de touche. Il revient sur son pied droit. Il centre et s'est repoussé. Il s'appelle Wish. Danilo. Oh, Danilo, il va y aller tout seul, non? Il s'écarte finalement, il va centrer. Il centre Berisha pour Juju. Et c'est le triplé de Juju. Après, je me dis, s'il a mis 3 buts en étant sur le côté, je vais peut-être le laisser sur le côté. Et peut-être que le petit jeune, on le fera jouer en pointe, tout simplement. Holm qui a un peu d'espace, là. Est-ce qu'il va s'enfermer? Est-ce qu'il va trouver? Non, il va trouver Tilio. Tilio Lovic. Tilio à nouveau, qui va pouvoir peut-être centrer. Alors, il y a Holm qui est tout seul, là. C'est bien trouvé. Holm qui met... Oh là là là, ça cafouille. Et Kitolano qui venait de rentrer en box-to-box. Qui met son petit but et ça fait 4 buts à 1. Il nous aimerait qu'il va trouver Line ce côté droit, le nouvel entrant. Il est frais normalement. Juju. Juju pour Gvitzgarden. Gvitzgarden qui y va de son but. Aïe, j'ai peut-être peur qu'il y ait hors-jeu. 50 dans 69e minute de jeu. Assistance vidéo. Assistance vidéo. Le but est refusé en effet. Le bon Gvist était hors-jeu.
Lovic à nouveau qui va rentrer dans la surface de réparation dedans. Il tente des choses, mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Ellingsen pour Lines. Lines dans la surface qui élimine son adversaire qui centre en retrait. Ça cafouille. Ekvist Garden, cette fois, ça va être validé pour le 5-1. Pour un premier match, c'est quand même plutôt une bonne entrée en matière. Et nouvelle occasion, 89e minute de jeu, Ellingsen au coup franc qui y va tout droit. Magnifique coup franc pour son premier but de la saison. Et ça fait 6-1 à la 88e minute de jeu. Le carton rouge, là, quand même, il nous a fait du bien. Et du coup, le match se termine là-dessus. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça a été à sens unique, 19 tirs, 14 cadrés. Ça me plaît beaucoup, ça. De voir un nombre de tirs cadrés qui est proche du nombre de tirs, on n'avait pas l'habitude de voir ça avec les dernières équipes qu'on avait entraînées. Au niveau de la possession, 68-32. Voilà, bon, ça a été un no match. Alors, Juju, du coup, qui nous a fait un petit 9-50, on va le renommer. Est-ce qu'on peut communiquer divers? Je crois que c'est ici. Donner un surnom. Hop, on va l'appeler Juju. Hop là, ça sera plus simple. Voilà. Alors du coup, avec cette victoire, on remonte déjà à la 9e place. Donc tout le monde a joué 19 matchs. On se dit que bon, si on rattrape le 31 points, là. Techniquement, les autres, ils sont que 2 points devant. Il reste 11 journées de championnat. Je me dis que, bon, 8 points rattrapés en journée, c'est peut-être beaucoup, mais sait-on jamais. Je vais effectuer un petit changement en défense, c'est que je vais sortir Younous Emre et à la place, je vais mettre Tolinson. En fait, Tolinson, il est meilleur de base, mais et notamment avec son 16 en détente verticale, mais ce qui m'avait refroidi, c'était ce lien orange pointillé entre les deux. Donc je vais malgré tout le remettre, parce que là, j'ai vu que de la tête, on a vraiment eu du mal à prendre des ballons, et le 13 en détente verticale de Younous Emre, je pense que ça peut lui poser problème. Et on a une offre de Casapia, tiens, pour Tolinson. Ah bah c'est intéressant ça, on va refuser bien sûr, on vient de le mettre titulaire. Au niveau de la disponibilité, il n'est pas disponible, donc je pense qu'ils veulent le faire jouer justement avec Jaquel, qu'on avait recruté, parce que la défense centrale, c'était un des problèmes justement. Alors notre prochain match, ce sera contre Bran qui est actuellement 5e, donc c'est un gros match. On n'est pas favori, du coup c'est à l'extérieur, ils sont favoris à 2-10, on a 3-25. Au niveau de leur série, ils ont 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Nous, on n'en a que 2, mais on va y aller quand même pour au moins essayer d'accrocher, je pense, un match nul. Et l'avantage, c'est que en quelque sorte, eh ben, c'est un adversaire direct, parce qu'ils sont actuellement du coup 5e, et la 5e place, c'est justement la place qu'on vise. Alors concernant le prochain match contre Bran, eh ben, les dirigeants et les supporters s'attendent à ce qu'on perde. Moi j'avoue que j'ai quand même envie d'aller jouer tous les matchs en me disant qu'on fait normalement partie des meilleures équipes, en me disant qu'on va au moins à minima accrocher un match nul à l'extérieur et gagner à domicile. Alors on a reçu une offre de 3,7 millions, et ben voilà, 3,7 millions pour Popa, c'est l'offre qu'on voulait. Est-ce qu'on propose, on tente le grid là, est-ce qu'on tente le 4 millions là? Ah merde, il va nous en vouloir. Non, pardon, on repropose 3,7 millions, on accepte. Aïe, Demain, ça va faire toc-toc à la porte du bureau. On a voulu grid pour 200 000 balles. Alors du coup, pour le prochain match contre Bran, on va repartir quasiment avec la même équipe. Bon, là, à l'exception du coup de Popa qui va sortir de la feuille de match. On va mettre à jour les remplaçants et normalement, on devrait avoir Andersen qui intègre la feuille de match. Et je me demande si je vais pas d'ores et déjà le mettre titulaire. Est-ce qu'il est loin? Ouais, il est quand même loin pour l'instant. Donc je vais laisser Juju parce qu'il nous a fait un gros match. Et au pire, on le fera rentrer en cours de jeu. Ouais, au niveau de leur série, c'est quand même plutôt solide. Hein. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, mais ils ont quand même une défaite. Ils ont Guilavogui en pointe, c'est Joshua, je pense pas, sa tête me dit rien. Nous, on a que 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Je pense qu'il est pas... Non, c'est pas... Ça doit pas être Joshua Guilavogui, à mon avis. C'est pas du tout Joshua Guilavogui, c'est Morgan Guilavogui, très bien. Lovic qui centre pour Danilo, deuxième poteau, Danilo qui recentre. Ça cafouille un peu dans la défense, hein. Ça va un peu dans tous les sens. Ellingsen qui récupère. Danilo qui donne à Juju. Juju pour Berisha, j'ai tapé dans le micro et c'est l'ouverture du score. L'arbitre demande à son assistant s'il n'y a pas un petit hors-jeu de Berisha, je pense. Hein. Monsieur l'arbitre, soyez gentil avec nous, on essaye de faire notre travail. Le but est accordé évidemment, ouverture du score à la 14e minute de jeu. Ça, c'est un très très bon début de match. Hein. Ellingsen pour Holm, Berisha Lovic. Lovic Tilio, allez Lovic, faut y aller, hein. Le côté gauche il est pour toi, Berisha de la tête et qui s'y prend à 2 reprises, aïe, encore un appel à la VAR là, mais en tout cas l'action était plutôt jolie et le but est refusé cette fois, il y avait un hors-jeu de Berisha.
Et coup franc côté droit, Eriksen à nouveau, est-ce qu'il peut nous remettre un direct comme le match précédent? C'est tiré, mais cette fois c'est au-dessus. On en reste du coup sur ce score de 1 but à 0. Et mi-temps du coup sur ce score de 1 à 0. La première mi-temps était quand même assez animée. On a fait 6 tirs, un seul cadré et un but. On a eu le but refusé de Berisha sur hors-jeu en face 2 tirs, 2 cadrés. On n'a pas la possession de balle, passe réussie 87. C'est moins bien que le match d'avant, mais on est à l'extérieur. On va s'en contenter pour l'instant. Et c'est reparti du coup en deuxième mi-temps. 49e minute de jeu, on n'a fait aucun changement. En face, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait de changement. Ils ont l'air de jouer quand même assez bas, j'ai l'impression. Déjà qu'ils jouent à 5 défenseurs, ils ont globalement que 2 joueurs dans notre moitié de terrain. Allez, 77e minute de jeu maintenant, je vais faire des premiers changements. Il n'y a eu aucune action en deuxième mi-temps. Donc, je pense que c'est le moment de faire rentrer un peu des nouveaux joueurs. Et notamment Andersen qui vient d'arriver. On va aussi faire rentrer, je pense, quelqu'un côté gauche. Et bien, on va faire rentrer le faux frère de Odegaard. Il est bien droitier, lui ? Il est tout à fait droitier, donc on va le faire rentrer de ce côté-là. Il n'y a aucun lien de famille, hein, bien sûr. Et je vais faire rentrer Kito Lanois, quoique dans Stenset fait un bon match, donc je vais le laisser. Et par contre, ouais, côté gauche, il va falloir que je fasse un changement, côté droit aussi. Donc je vais faire rentrer, ben, je pense, Hogan, tout simplement. Et on va repartir avec ces 4 changements. Allez, 85e minute de jeu maintenant, il y a toujours 1 à 0, donc on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'un retour de Brad. Hein. 90e, Holm qui est un coup franc un peu lointain, Hogan de la tête, Berisha, oui, ah non, j'ai cru qu'il allait allumer. Limes, oh, cette passe en retrait, là, elle était très dangereuse. On était en infériorité numérique dans notre camp, Koulierakis à nouveau, faut prendre, voilà, faut écarter côté gauche, Lines qui est latéral, là on ne sait plus ce qui se passe. Là on ne sait plus ce qui se passe, il est milieu central, il est arrière latéral, on ne sait plus. Alors du coup, grâce à cette victoire, on se repositionne à la 7ème place du classement. Tout le monde a joué les 20 matchs, on a 28 points. Donc on est et ben, du coup à 3 points de la 5ème place. Et on est aussi à 4 points de la 4ème. Donc là on commence réellement, j'avoue que je ne pensais pas qu'on arriverait si rapidement en fait à se mettre en marche pour prendre des points et remonter au classement. Parce que bah, y a 2 journées, on était à la 12ème place. Quoi. Alors, on a des nouvelles offres pour Popa. Ah, et j'ai l'impression que cette fois, on a touché le 3,9 millions. Hein. On a le 3,9 millions. Bon, après, c'est avec les 50 matchs. On va accepter. Ça nous fera un peu d'argent dans les caisses. Et Lillestrøm qui demande une offre de prêt. Est-ce qu'il y a une obligation d'achat? Non, on va ajouter, sinon à la limite. Le prêt ne peut pas être résilié, non, c'est ici. Option d'achat, clause d'achat, pré-résultat en compétition. Clause d'achat obligatoire, on va mettre le 3,9 millions là, hop là. Et c'est la seule raison pour laquelle on accepterait. Putain, il touche 43 000 par mois, donc tu vas payer aussi le salaire. Hop, voilà, on propose à mon avis, évidemment, ils vont refuser. Ça, il fallait évidemment s'y attendre. Et une offre de Cardiff pour Juju. Juju, il a quoi? Il a 4 de potentiel. On l'avait acheté combien? On l'avait acheté 1,8 million la saison dernière. Il avait été bon. Ok, Viking, Benfica. Il a été formé au Portugal, d'accord. En vrai, j'accepte de le vendre que si tu me files un 7 millions. Voilà. Si tu le veux, il faut mettre les sous. Alors, Mathias Kvistgaarden, donc c'est l'attaquant qu'on avait fait rentrer en cours de match. D'ailleurs, putain, entre le drapeau danois et norvégien là sur FM, comme ils sont petits, souvent je confonds. J'étais persuadé qu'il était norvégien, donc lui c'est celui qu'on avait fait rentrer en cours de jeu, pas au dernier match mais à celui d'avant, et qui avait marqué, qui avait été plutôt bon, et du coup il est blessé pour 3-4 semaines, ligament de la cheville distendu. Alors concernant le match contre Tromsø, donc on est à domicile comme dit, on est favori à 2-20 contre 3-0-0, au niveau de la série, donc 2 victoires sur les 5 derniers matchs, et ils ont 2 défaites comme nous, donc je pense que globalement on est favori sans trop de doute. Parmi les infos intéressantes que je ne connaissais pas, c'est que parmi nos clubs affiliés, en fait on a Manchester United, qui est club affilié senior, et on a aussi Sundal qui est bah, plutôt le club affilié, celui auquel, le club amateur auquel on envoie des joueurs, mais voilà, c'est intéressant de savoir qu'éventuellement on peut être affilié, enfin on peut recevoir des joueurs de Manchester United. Et grâce à ça, notamment, les dirigeants de Manchester United régleront à Molde une somme annuelle de 143 000 euros. Alors pour ce match, du coup, on va repartir avec la même équipe, et à noter que le lien orange entre les deux là a disparu, celui avec des pointillés. Donc ce que j'en comprends, c'est que leur complémentarité a dû un petit peu progresser. Pour l'instant, les postes, évidemment, à part pour Berisha, ne sont pas forcément bien connus, mais c'est pas trop surprenant. Ils viennent de commencer à travailler avec cette tactique. Voilà, pareil, le style de passe n'est pas encore bien connu, le marquage non plus. Donc voilà, c'est le temps que ça se fasse, mais en tout cas, il faut espérer que pour ce match contre Tromsø, eh ben, on arrive à assez bien dominer le match et le remporter. Allez, 11e minute de jeu, c'est la première occasion du match. Antonsen, donc corner pour Tromsø.
Il le tire au premier poteau, c'est repoussé une fois, mais ça va revenir. C'est repoussé à nouveau. Troisième tentative. Et la troisième est la bonne. Est-ce que l'arbitre... j'ai vu que l'arbitre... non, le but est validé. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. Et ben non, le but est validé. Donc j'ai mal vu. J'ai mal vu. Donc c'est l'ouverture du score de Tromsø à la 12e minute de jeu. C'est la douche froide là. Allez, Lovic. Lovic à la touche pour Holm. Holm qui va repiquer vers l'intérieur. Il va trouver Senset. Senset, est-ce qu'il va tirer? Oui, il y va tout seul. Et c'est le petit filet extérieur, malheureusement. Une belle occasion ici, mais ça n'aura pas abouti. Hein. Holm Eliksen. Eliksen pour Senset. Juju qui rentre dans la surface de réparation. Danilo qui centre pour Berisha le long de la ligne de but. Et c'est l'égalisation à la 25e minute de jeu. Ce but arrive à temps. Je vais rester en offensive du coup parce qu'il faut aller au plus vite essayer de mettre ce deuxième but pour complètement renverser la tendance. Et j'ai l'impression qu'il ne va rien se passer de plus. On est à la 45e minute de jeu. 47e maintenant, il y a 3 minutes de temps additionnel. Et voilà, c'est la mi-temps. Donc globalement, ça aura été assez animé pendant les 20 premières minutes, les 25 même, jusqu'au deuxième but. Enfin, l'égalisation du coup. Et à part ça, il ne s'est rien passé d'autre. Au niveau des stats, voilà, rien d'exceptionnel. 6-2 en tir et tir cadré, 5-3 de l'autre côté, 63-37 de possession de balle. On a quand même la possession d'un meilleur expected goal. On a aussi plus de passes réussies, donc il faut qu'on arrive à concrétiser ça en deuxième mi-temps. 63e minute de jeu maintenant, il ne s'est strictement rien passé depuis le retour au vestiaire. Je vais attendre encore 5-10 minutes et je pense que je ferai les premiers changements histoire de faire rentrer du sang frais. Voilà, 74e minute de jeu, on va faire des changements. Alors du coup, je vais faire rentrer Andersen côté droit, donc attaquant intérieur, Kitolano box to box et Hogan défenseur gauche. Allez, il reste 2 minutes de jeu maintenant, il n'y a eu strictement aucune occasion en deuxième mi-temps. 93e, et voilà, j'ai l'impression que ça va se terminer tout à fait sur ce score de 1 but partout. Globalement, depuis la 25e minute de jeu, même il ne s'est rien passé du tout. Et du coup, le point négatif, c'est que ça ne nous permet pas de reprendre des points, notamment sur Brann. Donc on reste à 3 points de la 6e place. Et on reste même du coup à 5 points maintenant de la 5e. Et on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. J'espère que du coup le choix de cette nouvelle équipe vous aura plu. Dans le prochain épisode, on aura déjà un gros match contre Viking justement pour se rapprocher du top 5. Et les deux autres matchs devraient être probablement un peu plus abordables. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de prendre des points, prendre la confiance contre Fredrikstad et Hokksund pour ensuite aller défier Viking à l'extérieur. En espérant accrocher à minima un match nul, mais si on pouvait aller gagner là-bas, ça serait encore mieux. Mais d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et à bientôt.